C'est à 7 heures que les trois bureaux de vote installés à l'école pilote de Laï dans le quartier 15 ans ouvrent leurs portes. Avant l'arrivée du candidat numéro 4 sur la liste présidentielle, quelques citoyens déjà présents ont accompli leur devoir civique. Aladoum Djarma Baltazar s'est présenté avec sa délégation pour remplir les leurs. Sa carte d'électeur en main prend le spécimen et se dirige vers l'isoloir pour faire son choix avant de déposer dans l'urne. Un sentiment d'un devoir bien accompli a lâché Aladoum Djarma Baltazar. Moi et ma délégation sommes venus accomplir notre devoir de citoyen, qui est celui donc de voter, un acte civique. Je vois qu'il y a de l'engouement et par la même occasion, j'invite donc tous les Tchadiennes et Tchadiens à aller dans le calme accomplir ce devoir qui est le leur comme un droit, et dans la paix pour que au moins cette transition s'achève. Donc j'exhorte les Tchadiens à ne suivre aucune consigne de violence, mais à aller dans la paix accomplir leur devoir civique pour que le Tchad retrouve le chemin recherché. Je suis satisfait parce que jour pour jour, c'était donc un chrono allumé. Mais que voilà que je viens d'accomplir, pour moi, je pense que c'est une satisfaction, c'est une première étape qui puisse nous conduire vers la refondation tant recherchée par tous les fils du Tchad. Comme vous le voyez, nous sommes ici à l'école pilote de Laï, dans la province de la Tangilée, pour le scrutin de ce 6 mai. Il y a la présence des observateurs électoraux nationaux, les représentants des différents partis, et tout se passe à l'heure dans le calme.